vous regardez RTL. Vous avez été harcelé, non, parce que je vous ai vu protester, Chantal, là-dessous, dans votre carrière d'actrice. Vous avez... Oui, parce que je suis sûre que si j'étais allée à Hollywood, ils m'auraient sauté dessus, là. Ah, c'est vrai ? Ah, elle, elle parle de Ray Charles. T'aurais fait la momie 3. Sérieusement, ça vous est arrivé, un peu plus jeune, peut-être ? Jamais, figurez-vous. Jamais ? Jamais. Jamais, mais j'ai pas cherché non plus, mais jamais. Oh. Si, René Coty, non, un alors peu, ça, non, c'est horrible de dire j'ai pas cherché, comme si toutes les femmes harcelées le cherchent. C'est vrai, le cherche un peu. Oui. Oh, il y a beaucoup d'allumeuses, hein, Roselyne. Non, me dis pas que dans le métro, on a toutes été harcelées une seule fois au moins, une fois. Il y a ce qu'on appelle les frotteurs. Dans le métro. Oui, oui, c'est vrai. C'est bon, vrai. Bah alors... J'avoue, j'avoue. Non, on parle à un spécialiste, c'est Bernard Mabille. Ah, vous vous harcelez, vous, monsieur? Ah, je frotte dans le métro. Bah, tu peux pas... Enfin, bah, je peux pas faire autrement. Non, mais je... À peine vous êtes dans un wagon, tout le monde est frotté. Vu la Moi, je crois qu'il est seul dans le wagon. Je stique la barre, je fais les carreaux, enfin, je frotte, quoi. Ah, vous faites du lap dance, en quelque sorte. Mais toi, Chantal, t'es harcelée par les égyptologues, ils veulent faire des fouilles. J'ai failli me faire violer sur un bateau. C'est pas vrai. Ah, ouais. Si. Racontez-nous. Un garçon qui a voulu me faire visiter son bateau. C'est pas vrai. Si, ouais. Et j'ai trouvé ça très beau. C'était après minuit, quand même. Hein. Il devait être ivre morte. C'était Monsieur Titanic. Et donc, il m'a fait visiter, puis d'un seul coup, paf, il m'a jeté comme ça dans une cabine et il a essayé. Mais je me suis vraiment débattue. Ah oui. J'ai tapé, j'ai donné des coups, il fallait, etc. Il fallait enlever ta cagoule. J'ai mordu. Il repartait. J'ai hein. mordu. Non, mais c'était redoutable. Hein. Et moi, une fois, je fais du bateau aussi. Il y a une fille qui a frappé. Il y a une fille qui a frappé à ma cabine toute la nuit. Toute la nuit, des coups dans la porte. Et ben, je l'ai pas laissé sortir. Ah, Caroline, combien de chanteurs vous avez eu? Combien de noms vous avez, vous, Laurent? Moi, j'ai deux noms. Deux noms, moi les mêmes, hein, j'ai les mêmes noms. Oui. On n'a pas le droit de les dire. On n'a pas le droit de les citer. C'est vous-même, Bachelot, qui devriez nous dire au Conseil des ministres ou à l'Assemblée si vous avez été victime parfois avec vos robes fleuries, moi, je vis vos crocs colorés. Je vis de souvenirs, moi. Mais quand même, ça a dû vous arriver, j'imagine. Jean-Louis Debré, Jacques Chirac et d'autres. Oui. Est-ce que monsieur... Jean-Louis Debré, non. Non. Ah, non. C'était quelqu'un extrêmement sérieux. Jacques Chirac, oui. Bon, tu dirais quand tu vois ce qu'il a à la maison. Hein, Il est plus à sa près. Ouais. Mais il ne s'est jamais rien passé de sexuel entre Jacques Chirac et moi, je le dis haut et fort. Très bien, en tout cas, officiellement et à l'antenne sur RTL. Voilà, exactement.